Nous voici sur le site de l'Arche d'Anguilla. Magnifique spot. Les sipeurs le font de l'Ubex. Oh là là, on est au nord, tout au nord de Anguilla. C'était une ancienne piscine, ça, magnifique. Maintenant c'est une. Elle était magnifique, regarde-moi ça. Face aux Caraïbes, à la mer des Caraïbes. Il y a des milliers de mètres carrés de construction à l'abandon ici. Oh là là, quelle désolation. C'était un ancien complexe. Et là, c'est ça grouille pour les moustiques ici. On va pas trop s'attarder. Super salle de réception. Quel dommage que ça soit pas repris, une plage privée. Tiens, regardez comme c'est beau dans la nature. Et cette verrue, quel dommage. Et là-bas aussi, mais il y en a des trucs comme ça là, il y en a au moins une trentaine tout au long des hectares qu'ils ont eu. Tout est à l'abandon, ouais. Oh, c'est pas possible. Oh là là, regarde, à partir de là, tout ça c'est abandonné. Tous ces bâtiments sont abandonnés. Ouais, c'est un ancien complexe. Ça a été pillé. Drôle d'architecture. On aime ou on n'aime pas, mais bon. Et là, on est en face de Saint-Martin, toujours. Encore des bâtiments abandonnés. Donc nous sommes dans l'établissement Ocean Eco qui se trouve ici. Et Super se trouve à Sandyground. Et nous allons remonter cet après-midi. Tac tac tac. On va faire ça. Et on va aller longer sur ces super plages que nous avons déjà fait. Elles sont magnifiques, celles-ci aussi, magnifiques ces plages. Allez! Waouh! Salut les amis, aujourd'hui 1er juin 2024 et nous avons reçu aujourd'hui notre deuxième colis de la Poste qui vient d'Allemagne et c'est ce que j'avais commandé chez SVB, les chargeurs d'alternateurs. Comme vous le savez, nous changeons le pack batterie sur Sipearl. Et il s'avère qu'il faut que ça soit
les alternateurs ne peuvent pas charger directement les lithium, les batteries lithium. Il faut passer par soit un Orion de chez Victron ou un gestionnaire de alternateurs qui puisse charger les batteries lithium. C'est pour ça que j'ai acheté ceci. Encore merci à ma maman de me l'avoir envoyé. Ça a été rapide, donc de France à Saint-Martin, ça a mis 13 jours. Donc c'est cool, c'est assez rapide. 4,75€ en poste restante. Donc si on n'a pas d'adresse, on marque poste restante et ça reste jusqu'au moment où le destinataire vient le chercher avec sa pièce d'identité. Il faut juste payer 4,75€ pour ce service. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Je le découvre en même temps que vous. Et j'ai également acheté un câble pour le radar. Ah ouais, pour le radar BNG, ce qui permet de raccorder justement en câble Ethernet, le câble à la prise 3 broches que j'ai fait sur BNG. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Bon, ça c'est en option, donc c'est le fameux Starlink Power. C'est pas Starlink, mais Sterling. Voilà, j'en ai acheté deux pour tribord, bâbord. C'est les 130 ampères. Alors je sais pas si on le voit, mais c'est bien le 130 ampères que j'ai acheté. Donc il charge bien les batteries lithium, qui n'était pas le cas des anciennes générations, mais celui-ci désormais gère le lithium. Voilà, on le voit, 130 ampères. Il s'avère que un alternateur, nous les avons de 125 par moteur, donc il faut prendre légèrement au-dessus pour la gestion de la batterie. Allez, on l'ouvre, Vincent. Oui. On va voir ce que ça donne. Donc il y a des sondes, etc. Donc ça, je l'avais déjà téléchargé sur le site pour bien comprendre, pour que je puisse être opérationnel dès que j'allais le recevoir. Mais c'est très simple. Il s'avère qu'en plus, j'ai un répartiteur pour chaque moteur. J'ai un répartiteur de charge, comme souvent sur les bateaux, pour la servitude, justement les batteries de servitude et la batterie démarrage moteur. Donc quand on a les répartiteurs de charge, on enlève ces cosses et on a juste à les remplacer par domestique starter, le plus de l'alternateur et le négatif sur la masse qui se trouve sur l'alternateur. C'est d'une simplicité. Ouais, franchement c'est très très simple à utiliser. Ça a l'air du bon matos. Ouais, c'est du bon matos, hein. Très 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 bon matos. Donc il est livré avec un câble négatif et il y a également une sonde qui permet de voir la température de l'alternateur. Donc il y a à démonter ce cache de ce côté et de ce côté pour le régler déjà en mode lithium. Donc ça sera en mode 4 et après juste à plus, il n'y a plus qu'à connecter les différents pôles. Allez, on va voir ça dans la cale moteur. Donc tout l'intérêt, c'est de lire en amont le manuel, de le télécharger sur internet pour bien assimiler toutes les étapes à faire pour le connecter. Comme ça, dès que vous le recevez, vous êtes opérationnel et en espace d'un quart d'heure, pour chaque chargeur d'alternateur, c'est fait. Donc voici le câble Ethernet pour le radar. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, d'origine, nous avions cet écran BNG qui était relié quand j'avais acheté Seapearl.
Il était dépourvu de radar. Et donc j'ai installé le radar, on avait galéré à le passer dans le câble, etc. C'était incroyable. Et le radar, je l'avais mis directement sur cet écran. Et j'avais donc un écran supplémentaire en réserve que j'avais acheté, que j'avais commandé sur, toujours pareil, chez SVB. Et il s'avère que j'ai installé un nouveau écran extérieur qui facilite grandement la lecture, surtout sur le radar. Ici, là c'est l'écran, un double écran en somme. Voilà, c'est un double écran que j'ai intérieur maintenant et extérieur pour notamment les quarts de nuit ou s'il pleut, ça permet d'être de voir. Et là, ce qui permet d'avoir un double écran. Donc, nous avons ici, il n'y a plus qu'à connecter cette prise là. Ok, et de le passer dessous. Alors ça, je vais pas le filmer parce que c'est, mais il y aura plus qu'à le brancher en prise Ethernet pour avoir l'information sur cet écran et l'écran extérieur. Donc en un seul radar, j'ai les informations sur les deux écrans si je le souhaite ou simultanément. Voilà. Donc on va tirer ce petit câble, le connecter et on va le paramétrer, mais ça devrait être très facile. Donc voilà, là j'ai enlevé les quatre vis. Voilà comment ça se présente à l'intérieur du Sterling. Donc là c'est là, ça c'est très important. Alors, je sais pas si on le voit, mais c'est justement ce petit petit afficheur là où il y a de 1 à 9, de 0 à 9, c'est là où ça va déterminer quelle est votre batterie. Là on fait starter, c'est très simple, c'est le positif de la batterie moteur, celui-ci c'est marqué domestique, c'est le pack batterie de servitude, et de l'autre côté ici c'est le positif de l'alternateur et ce câble c'est le négatif qu'il faut raccorder à la masse de l'alternateur ou du négatif de la batterie. Moi ce que j'ai opté c'est la masse de l'alternateur. En somme j'ai appelé une personne que je connais qui est spécialisée dans tout ce qui est électronique à bord, etc. Et il faut ce négatif n'est que pour alimenter l'appareil en positif et négatif. C'est tout. Ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, le câble, c'est du 6 mm², je pense. Je pense du 4 ou du 6 mm². Donc, c'est pas un gros câble négatif qu'il faut. Voilà, donc super, je vais juste mettre un petit coup préventif de nettoyant contact de chez W40 qui va permettre de garder les composants nickel. Et j'ai celui-ci à poser, et donc côté tribord et côté bâbord. Il n'y a plus qu'à. Allez, voilà tout ce qu'il me faut pour pouvoir l'installer sur le moteur bâbord. Donc, j'avais, là je suis dans la cale, chargeur de quai en parallèle, 2 × 40 ampères. Et donc là, c'est le répartiteur qui était d'origine, qui était là. Hier, j'ai donc regardé quels étaient les prises qui correspondaient. Ce câble également, il va falloir que je l'installe parce que c'est le câble de l'alternateur qui permet de l'exciter au niveau du démarrage. Donc ça, c'est le câble pour la servitude, l'alternateur et le câble moteur. Donc c'est très simple.
Je vais enlever cela, je vais connecter, donc je vais fixer une planche qui se trouve là, que j'ai découpé, que je vais mettre là, et je vais fixer donc le chargeur d'alternateur que je vais pouvoir fixer. Voilà, c'est pas aisé de filmer dans une cale moteur. Donc voilà, j'ai fixé le chargeur d'alternateur juste en dessous des chargeurs de quai. Donc il est bien installé solidement, et j'ai demandé à Vincent de m'apporter la clé pour défaire les cosses du répartiteur de charge, et on va plus qu'à les brancher. Ça va être nickel. Donc ici c'est l'alternateur, chargeur d'alternateur, donc c'est très simple. Très simple. Hop. Qu'est-ce qu'on transpire déjà, qu'il fait 32, il est quoi? Il est 10h là? Oui, ben oui, t'as fini ta pause. Ouais, hein? 10h30. Donc il aide son papa à filmer. Et fou, on sue ici. Voilà, donc là. Hop. Voilà. Alternateur. Ok. De là, j'en mets le bulon. Qu'est-ce qu'on transpire dans les cales moteurs, c'est incroyable. Donc là. Alors ça, c'est quand même. On peut pas l'enlever, c'est quand même. Dommage. Ouais, c'est bizarre leur système là. Alors, est-ce qu'on peut pas, l'enlever temporairement? C'est. Force pas, parce que. Non, ben voilà. Ben, j'essaie de pas forcer justement. Mais il faut qu'il passe de ce côté là. Wow. Là, j'avais pas vu, mais il y a effectivement de chaque côté un cache et deux petites vis, toutes petites. Qui permet de justement d'enlever ce cache et de pouvoir le remettre par la suite, donc ça va être beaucoup plus facile. Voilà, comme ça on le met. Oh là là. Ils auraient pu l'agrandir quand même, hein. Parce que quand on a des gros câbles, ça va être difficile. Allez, on va essayer d'agrandir un peu ce trou. Bon, donc j'ai agrandi le trou qui permet de passer la cosse. Voilà. Et là, ce qui va permettre de pouvoir le remettre. Super, tu vois, là, ça le fait. Donc là, prise alternateur. Voilà, et c'est terminé pour la pose de ce chargeur d'alternateur. Il s'avère que ça a été plus long que prévu, parce qu'il y a eu des surprises déconvenues, en somme. Je vais vous expliquer. Donc j'ai dû changer ce câble, j'ai dû raccourcir également celui-ci. Du moteur, celui-ci est tout neuf, c'est le gros câble 75 mm² pour les batteries de servitude, et j'ai dû raccourcir également celui-ci de 5 cm pour l'alternateur. Ils étaient complètement rouillés. Je vais vous montrer. Voilà, c'est incroyable, c'était complètement corrodé. Et ceci, c'était la cosse de l'alternateur. Pareil, cassé net. Salut les amis, et nous sommes toujours à Marigot, à Saint-Martin. Coucou Océane. Coucou. Coucou.
Et bon, on a interdit de s'amarrer au ponton pour la bonne cause, hein, parce qu'il y a un tournage qui s'opère. Ouais, c'est ça. Et du coup, si vous voulez regarder, il faut passer de l'autre côté. Le réalisateur là, qui est venu nous voir. Et il y a une scène qui se joue ici, du meurtre au paradis. Une super limousine américaine, franco-américaine. Yo! Super beau. C'est les Chrysler modifiés. Ouais. C'est sympa, hein. C'est sympa, ouais. Vraiment sympa. Et donc là, il y a tous les acteurs. Super 4x4 américain. Très connu ici. Donc c'est France 3. J'ai vu le logo France 3, France 2. Meurtre au paradis. Hein? On l'a vu à la télé, ça? Oui. On avait bien aimé, hein, la série. Il va dire action. Ah, une répète. C'est intéressant de voir ça. Hein? C'est dommage qu'ils ne me prennent pas comme acteur. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal? Acteur principal, moi je prends. Hein. Dis pas non. Bon, ben vous aurez en exclusivité une scène de Meurtre au paradis qui va sortir d'ici 6 mois. Facile sur les petits écrans. Le temps de montage, etc. Mécanique. Pied, feu, et action. Fabricez-vous. Ce Varmec. Je pense que c'est elle, c'est ici que tu présentes ta carte, pas là-bas. L'autre, c'est un. Ah, faut qu'il me laisse passer. Il est arrivé avec le truc de gendarmerie, le mec qui laisse passer. Il y a une petite mise au point avec le réalisateur. On a la voiture à prendre et on va visiter côté néerlandais. Bonjour. Yo yo yo! Attention! On va se faire éjecter! Vincent, ici. Allez. Ça va souffler. Parce que ça, c'est un moyen porteur. On les a. Vous avez toutes vos lunettes? Ouais, on va tomber à la renverse. Ouais, on va tomber. Oh mince. Et ça va sentir le chaud. Mettez bien vos lunettes, hein. Bien plaquées contre les yeux. Encore, il n'y a pas trop de sable. Hein. Allez. Et encore, c'est pas un gros porteur. Ça a été. Ça fait la partie.
collés. Il y a plein d'adaptateurs, mais ça m'étonne pas. Chaque fois. Il y a les serviettes qui sont à l'eau. Et il y a un téléphone, ils sont volés. Et voilà, le gros coucou, il s'est envolé. Eh bien, on est arrivé pile poil, hein. Ouais. Pile poil pour pied. Avant qu'il décolle. L'ancien fort Amsterdam. C'était comme ça à l'origine, les plans. Ah, super la vue. Ah, quel air, ça rafraîchit les amis. Parce que ici il fait 34 degrés. Je vous envoie un peu de chaleur en métropole et au Canada parce que il fait très chaud ici. Il est magnifique ce canon. Je sais pas s'il est daté. T'as vu Vincent, il y avait la mèche. Là, on mettait du truc, on mettait du feu. Ouais. On mettait d'abord la poudre, le boulet de canon. Il fait avancer. Allez, on va aller voir le mirador. Quoi, mirador ? Ça, c'est là où on voyait les ennemis. Où on voyait les Français. Parce qu'il faut savoir que Saint-Martin est coupé en deux. Et ce sont les Français et les Néerlandais se sont fait la guerre pendant très longtemps. T'es regardé, San ? T'as vu ça ? Ah. Il fait de l'aquabranche. Quoi ? Avec tous les pics qu'il y a, bois du. Ah Vincent, c'est un pélican avec ses petits, avec son petit. Regarde, là-bas, il y en a plein. Ah ouais, regarde. Ils font leur nid là. Regarde, ils ont déjà des petits. Merci. Eh ouais, au mois de juin, ça y est, hein. Les œufs ont épousé. Hein, ils ont éclos. T'as vu ça? C'est tout mimi. Oui. Il y en a plein. Oui, il se met à pleuvoir. Ouais. Où est-ce qu'il va sauter ?